Mais bon Dieu, bon Dieu, bénis. Nous disons bon Dieu merci pour grâce infiniment sur la vie. Non? Merci pour le souffle de vie. Merci pour madame non, petite non. Merci pour l'église non. Merci pour chaque frère et soeur qui est en présence, Seigneur matin. Nous avons deux textes que nous allons lire et puis nous allons commenter sur eux. Parce que j'en viens, on ne peut pas retourner comme ça. On fait un petit campé, non? On fait un petit campé, bien aimé. On a pris dans 1 Samuel, on a pris deux textes. Donc, premier texte, c'est dans 1 Samuel, chapitre 20. On a pris verset 17, 14 à 17. Il dit que vous y êtes. Vous y êtes, l'église. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 20, verset 14 à 17. Il dit, si je dois vivre encore, en parlant de Jonathan, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta beauté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de chacun des dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Le verset 17 pour en finir. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui car il aimait comme son âme. N'appelons l'autre texte encore, c'est dans 2 Samuel chapitre 9. Un long texte, donc on nous prend patience. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Il répondit, « Ton serviteur, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perdu des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar, et mes fils Bochette, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, mes fils Bochette, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rends toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Soulignez pour nous un chien mort. Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mange à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika et tous ceux qui demeurent dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi et il était boiteux des deux pieds. Fin de citation, parole du Seigneur. Veuillez donc vous asseoir. Nous parlons dans méditation au matin. Nous allons méditer sur deux grands textes qui sont riches en paroles,
qui va permettre que nous réconforter. Donc, bagaille l'histoire qui t'est passée, ça a montré que bon Dieu que nous servions, il n'est pas un Dieu dans le passé. Il est un Dieu qui vit dans un éternel présent. C'est-à-dire que bon Dieu, il est toujours présent. Tout ça qui t'est passé dans tant longtemps, il t'est servi à tant de serviteurs pour quitter écrit ça. Et serviteurs, sous l'onction du Saint-Esprit, t'es écrit suivant personnalité. Et c'est ça que fait là, nous prend Paul, nous prend David, nous prend tant de serviteurs pour sentir que qu'importe ce qu'on lit de pour c'est Paul qui écrit, vous dites ça c'est Paul. Donc ça c'est plume Paul. Donc ça montre que nous-mêmes tout, en tant que serviteurs, nous lis parole, nous comprenons, nous méditons sur eux pour nous dire que moi-même Seigneur, ou pas un Dieu de David seulement, ou pas un Dieu de Mephibosheth seulement, ou pas un Dieu de Saül seulement, tant de serviteurs dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais où c'est, moi c'est serviteur tout. C'est ça que moi voulais que vous compreniez matin, et c'est ça qui fait que texte que nous lis et nous dit un sujet qui est très important, David tient sa promesse envers Mephibosheth. Bon Dieu, bien nous l'église là. Donc, nous voyons que David, qui est David, il y a tant de serviteurs, il a toujours dit que petit David là, c'est l'histoire même qui n'est pas converti qu'on est. Et nous voyons que David, vraiment, son monde, bon Dieu, prend loin. Nous croyons pile dans nous matin, bon Dieu, prend nous loin. Amen. Bon Dieu, bien nous l'église là. Donc, on dit que mon serviteur qui chantait, bon Dieu, si tellement prend loin, il dit pas de mots pour remercier le Seigneur. Et maintenant, moi-même, tout bon Dieu prend loin, pas qu'on si c'est pour vous. Bon Dieu prend nous loin. Et pour ça, bon Dieu fait pour nous, grâce à son grâce infinie. Nous ne connaissons pas comment nous sommes capables de comparer grâce que bon Dieu fait nous en tant que serviteur. Moi-même, pas qu'on est pour vous, mais moi-même, qu'on est peut-être moins. Et bon Dieu sortit loin à même. Et c'est ça que fait l'évangile, rester l'évangile. Il y a des gens qui disent ancien l'évangile, nouveau l'évangile, c'est les gens qui ont façon à servir bon Dieu. Bon Dieu, mais nous l'église là. Donc, parole n'a pas jamais changé. Nous avons une ancienne parole, une nouvelle parole. Non. Une ancienne alliance, une nouvelle alliance. Mais parole, bon Dieu, a toujours été la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle est certaine et véritable. Bon Dieu, pas qu'on mentit. Et c'est ça que fait l'été campé pour David. Quand elle dépend David, c'est même j'aime sortir. Ou sortir loin avec son serviteur qui chantait. Ou sortir loin avec Seigneur. Il y a des séquelles qu'on crase pour moi. Il y a des défis qu'on levait pour moi. Ah, il y a des positions que m'a doué ou campé pour moi. Donc, il faut me dire merci. Matin, je ne sais pas combien de fois on dit bon Dieu merci pour toi hier. Ou même qu'on suive nous sur les ondes. À travers Facebook, YouTube. Je ne sais pas combien merci ou même qui là, combien merci on dit le Seigneur pour petit tout. Bon Dieu, ben nous l'église, pour madame, mon, pour famille, pour les saints de l'église, pour les gens qui proche. Et c'est ça que fait l'évangile là, c'est un témoignage. Il y a des témoignages qu'on bail, ou pas besoin de dire un mot encore, témoignage là suffit. Bon Dieu, ben nous l'église là. Et c'est ça qui fait que moi-même, à un matin, nous prenons deux textes pour nous montrer que la vie de David, un peu, et la vie de Mephibosheth, et en fin de compte, la vie de Jonathan, pour nous montrer que nous avons été dans la vie de Mephibosheth avec David, pour nous montrer que David a eu une parole avec Jonathan. Parole a été gagnée parce qu'il était bon ami. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui, hein? Ou presque pas qu'il y ait un bon ami. Bon Dieu, ben nous l'église ça. C'est difficile pour gagner un bon ami. Ailleurs, si vous dans le monde, c'est normal, le monde ne peut pas bien avec les chrétiens. Ce n'est pas rien que lié. Vle pas vle, ce n'est pas rien que lié. Pas vle dit ça. Donc, nous-mêmes qui chrétiens, nous sommes capables de gagner une bonne amitié. Nous sommes capables de gagner de bonnes relations. Mais qui dit que ce n'est pas vrai? Il n'est pas tellement vrai à 100%. Il voit à 10%, il voit à 5%. Et c'est ça que fait l'église. Nous voyons que dans l'église, il y a pile hypocrisie. Mais nous-mêmes, qui avons servi l'éternel, qui avons servi le Seigneur, qui avons suivi Jésus, cherchons pour conscience nous,
toujours clair. Bon Dieu, nous l'église là. David, son serviteur, bon Dieu prend loin. Il y a des gens qui jouent dans l'évangile, mais il y a des gens qui ne peuvent pas jouer. David connaît côté, bon Dieu prend toute route que bon Dieu fait avec elle. Parce que Samuel, t'a la caille, papa, pour sacrer, pour Wenli comme moi, mais malheureusement, frère, on ne peut pas comprendre ça. Samuel, pas de comprendre ça. Même papa, David, pas de comprendre ça. C'est ça que fait ma terre, moi, vin douke. Dans le psaume 75, l'élévation ne vient point de l'Orient, de ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. C'est bon Dieu qui lève moun et qui fait route avec moun. Bon Dieu, ben nous l'église là. Donc, on nous était dans Pierre, bon Dieu, même Jacques David, nous pas dit David sans péché. Non, pas vu de ça. Car tout homme, c'est péché que vous est privé de la gloire de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous pas parfaits. Mais il y a des modèles, il y a des façons dont serviteur, bon Dieu, était conservé, il y a des bagailles que nous sommes capables de prendre la Kaïli. Le seul modèle parfait que nous avons sous terre là, c'est Jésus. Ça a été sans péché. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui vivent sous terre, qui serviteur bon Dieu, qui chrétien, eh bien, qui ont pile dans eux, qui ont pile bagaille qui bon, que nous-mêmes nous sommes capables de copier. En pile ça qui n'est pas bon, nous-mêmes nous rejetons. Parce que nous voulons faire route avec le Seigneur. Et si vous voulez faire route à elle, grâce mon Dieu a surabondé dans la vie. Combien de monde qui croit ça matin? Restez dans le pied, mon Dieu, pour grâce mon Dieu capable de surabonder dans la vie. Comment grâce mon Dieu a surabondé dans la vie? C'est là que vous connaissez que vous avez marché avec le Seigneur, vous tendez parole là, vous avez appliqué parole là dans la vie. Donc justement pour ne pas pécher contre mon Dieu. Et même lorsque vous péché, vous avez demandé mon Dieu pardon. Parce que yon moun qui abandonne la parole là, yon moun qui fait semblant que la parole là pas existé pour lui, on pas pouvoir suivre le Seigneur. Donc matin moi vinn dou David te konn façon pour te manger Dieu bon Dieu pour qui ça bon Dieu te prend loin. Et même là da, bon Dieu Samuel, bon Dieu voit Samuel là loin David, mais David te ouais que en lui-même son grâce parce que côté il sorti. Donc bon Dieu pas capable de faire le roi dans le pays Israël. Et c'est ça que fait moi toujours dit ça. Là nous sommes dans le monde. Même là que nous pas sorti nos parents qui riches. Même là que nous pas gon solide formation académique, nous pas étudié à dans grand université à la Harvard, comme ça tout gain dans nous qui étudié. Mais ce qui reste un fait certain depuis le Seigneur relo qu'on était tout son miracle. C'est pour dire rien n'est impossible à Dieu. Bon Dieu car l'héros en dignité. De pouvoir accrocher à mon Dieu. Et c'est ça que fait nous-mêmes, surtout les peuples haïtiens, nous toujours dit ça en Haïti. Et suivant la façon que vous avez levé Timoun en Haïti, l'enlever avec moun, ça permet que ou presque pas qu'à lever tête dans la vie ou encore. Ou presque pas capable de faire un jugement encore. C'est tout ça qu'on dit. C'est tout ça qu'on voulait. C'est lui qu'on voulait. Pour qui ça? Parce qu'on était traité comme esclave. C'est le même diable qui te prend nous comme esclave. Tout. Mais au moment opportun, nous venons joindre le Seigneur. C'est pour dire bon Dieu, ouvre les yeux. Bon Dieu, fais intelligent. Bon Dieu, change position. Bon Dieu, lève mon dignité. Bon Dieu, fais un monde que je pas de jambes douillées. Il y a un monde que je pas de jambes penser que je suis caillé. Plutôt. Bon Dieu, ben nous l'église là, on nous était ferme dans le Seigneur, même Jacques David, nous est que loin pour loin, mais durée a te prend 13 années pour David te du noir. Et c'est ça que fait, bon Dieu lui-même là le prend, il a une longue trajectoire qu'il est capable de faire avec. Ou pas prêter pour dire, bon Dieu, oh bon Dieu, mais ça me voulait, non. Parce que depuis qu'on a vu nos communions, nos intimités avec le Seigneur, donc lui-même, vous connaissez que vous n'êtes pas capable d'échouer, ni tout, bon Dieu n'a pas qu'à faire mauvais route à elle. David connaît ça. Et c'est peut-être ça pour garder conscience au clair. Faites tout ça, faites suivant la volonté de Dieu. Parce que, il y a des gens qui ont dit, bon, ok, je n'ai pas gagné ennemi. Non. Surtout, je n'ai pas gagné ennemi, vous trompez de ça. Un chrétien n'a pas qu'à faire ennemi, mais vous cherchez à faire ennemi.
Bon Dieu veut nous l'église. Donc, et pas le monde seulement. Il a dit que c'est bon Dieu seulement qui connaît que qui monde qui est adversaire. Mais là, à vivre avec le Seigneur, ou connaît à elle, donc toujours aimer tout le monde comme commandement dit, aimer les uns les autres, aimer bon Dieu, aimer fort, donc toujours faire tout ça qui est bon dans la vie. Donc David, tu connais que l'elle péché. Il y a des gens qui font des choses qui péché. Ils ne pas même vle, dit bon Dieu, comme si on dirait que tu as laissé le bon Dieu péché. Et bon Dieu omniscient, n'a pas rien qu'on fait que bon Dieu pas connaît. Et n'a pas péché qui a été impuni. Bon Dieu, ben nous l'église ça. Donc c'est ça que femme dit nous rester branchés dans bon Dieu. Moi-même, ce n'est pas parce que je suis bon, mais je fais effort pour me suivre le Seigneur. Jusqu'à présent, je ne suis pas parfait. Mais je suis sur la route de la perfection pour mieux monde que bon Dieu d'accord avec. Combien de monde qui veut bon Dieu d'accord avec au matin? Gardez faire route avec le Seigneur. Il y a des gens qui disent que si je viens de mon Dieu, je ne vais pas en plein encore. Mon Dieu, ben non, quoi que la faiblesse est humaine, si je viens de jouer, mon Dieu, il faut la vie me changer totalement. Et en dépit de toute difficulté, en dépit de toute difficulté, regardez, sous route là, regardez, j'ai patience. Sous route là, fais mon Dieu confiance. Parce que diable n'a pas mis sous encore. Le vrai ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Puis, monde qui est capable d'étudier toi avant tout, c'est vous-même. Mon Dieu, ben nous l'église là. Et c'est ça qui fait matin, moi, vindou que David, mon Dieu, me font tirer à l'aise sur la vie de David. Côté que, il n'y a pas de compter sur lui, en dépit de tout tracas, problème David gagné, et il était un adversaire, un gros ennemi, c'était Saül. Mais, regardez, bon Dieu, à chaque embuscade qui tend pour la vie de David, regardez, bon Dieu, délivre. Elle dit, si vous-même, vous avez une promesse sur la vie, regardez, dit ça pour y avoir pied quand même. Bon Dieu, ben nous l'église ça. Ça pour y avoir pied quand même. Donc c'est ça qui fait retirer toute frustration, retirer toute jalousie, retirer toute haine. Parce que là, mon Dieu a fait ou d'avoir libéré conscience ou clair. Depuis conscience ou clair, même si ouais, ou la fait noir, il n'est pas noir pour mon Dieu. Amen l'église ça. Même si ouais, ou la noire, il n'est pas noir pour mon Dieu. David te fait 13 ans dans le maquis. Il a dit que rival lui. Il tape comme et il était grand ennemi, depuis grand ennemi, c'était Saül. Mais malheureusement, regardez, David, tu as tous les moyens. Parce que l'homme, mon Dieu, c'est bon Dieu campé pour vous, c'est bon Dieu bataille pour vous, c'est bon Dieu gourmet pour vous. David, tu as bon Dieu la rêve. Donc si mon Dieu t'a avec David, moi je dis que dans le moment ça, ou même si mon Dieu a rêve, regardez, ennemi n'est pas capable de retirer un yen sou. Ennemi n'est pas capable de faire un yen à rêve. Et là, bon Dieu te fait route avec David. Mais tout au long du parcours, Jonathan, c'était petit, ça ou Saül, tout le monde a dû regarder. Mais il était vrai que, eh bien, n'a parlé à David, n'a pas attendu, parce qu'il connaît que grand jour, David a vu roi. Parce que, il a parlé de Saül, que le peuple Israël a envie en roi. Il était plié qui ça, bon Dieu, t'es qu'on fait pour yo. Il y a des gens qui mangeaient, plié. Donc, la traversée de la mer rouge. Bon Dieu fait miracle dans le désert pour yo. Mais oubliez ça. Et c'est ça qui fait une dernière parole. Serviteur, bon Dieu, a te dit, moi toujours Kembel, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Regardez, même si tout le monde va prendre mauvaise route, si il y a des gens qui te disent, bon Dieu, c'est bon Dieu, pas là, il tape baou ou t'es chiot dans la rue. Bon Dieu, ben nous l'église là. C'est pour dire bon Dieu, pour là. Bon Dieu, créons là. Et qu'on est si nous connaissons bon Dieu créateur là, ou connaissons bon Dieu créateur là, nous n'avons même pas. Mais si que ou pas reconnaître Dieu créateur là, et en croyant sur Jésus-Christ petit là, si nous pas faire même confession de foi, suivant croyance nous, eh bien, moi-même, m'a toujours dit, bon Dieu, pas maintenant, bon Dieu, crée maintenant, bon Dieu, crée terre, bon Dieu, crée ciel là, bon Dieu, crée l'univers là, c'est bon Dieu, pas maintenant. Et maintenant, je viens de dire que, effectivement, eh bien, dans la vie, il faut toujours qu'on s'en mette pour parler. Bon Dieu, ben nous l'église là. Il y a des gens qui disent que, on ne peut pas faire s'en mettre. Bon, à qui vous nous parlez? Bon Dieu, ben nous l'église. Bon, on ne peut pas faire s'en mettre, à qui vous nous parlez? Donc, l'homme, si vous avez regardé Jean l'homme, ça l'homme a fait. Jean l'homme réfléchit.
Jean l'homme acte ou pas jamais des amis, c'est vrai. Mais yon bon ami, nous t'es capable de dire que son ami qui l'a dans malheur, qui l'a dans l'orgue était content, son ami qui l'a pour dégager table et que son ami qui l'a tout le malheur qui avait. Donc Jonathan c'était un bon ami pour David. Yon promesse que vous avez fait, yon alliance que vous avez fait, yon alliance c'est un accord qui lit. C'est-à-dire que pendant que moi-même ailleurs, de même l'homme marié, donc son engagement qu'on prend. C'est-à-dire que l'engagement, on doit être fidèle. Madame Marie, là, nous marié, nous prenons un engagement. C'est un contrat accueilli. Donc, il y a une bonne alliance pour dire que, ah, eh bien, nous ne pouvons pas quitter l'autre. Sauf moi-même, je conduis dans le cimetière, ou bien vous-même, vous conduisez dans le cimetière. Ça, c'est l'engagement que nous prenons. Mais nous, David, à Jonathan, il a été soudé. Il a pris le piège papa, attendre pour David, c'est Jonathan qui fait le connaître. Mais il te dit, David, je connais qui est pour vinoir. C'est ça qui était dans la tête, je connais pour vinoir. Et pendant que je suis vivant, ce qu'il a fait pour moi, c'est pour faire. Mon Dieu, ben nous l'église là. Et il dit, si vous ne pouvez pas faire, je vais lancer un châtiment sur la tête, donc c'est pour ennemi autour. Mais si vous respectez l'engagement en même, une à l'autre, parce qu'il te dit que si nous bien nous sommes amis, donc je ne peux jamais ou pas jamblier. Jonathan dit pas jamblier, David dit li pas jamblier Jonathan parce que et Jonathan allez il dit moi même monsieur comme non moi. Et ça montre que yon fidélité en vrai. Mais nous te voyons que à son jeune âge Jonathan parti et bien il mourit. Dans 1 Samuel chapitre 31 verset 1 et 2, bon, on va faire quelques petits coups de lecture pour nous. Dans 1 Samuel chapitre 31, eh bien ça montre que moi-même à rien, nous avons une route à faire avec le Seigneur. Mais nos paroles que nous parlons, pas jambat pour nous mentir là-dedans, yo. Un et deux, qui ça le dit? Les Philistins livraient bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gibora. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadad, Malkishua, fils de Saül. Donc l'effort du combat porta sur Saül. Donc Saül dit à celui qui porta ses armes, tire son épée et m'en transperce de peur que c'est ainsi qu'on ne vienne pas me percer et me faire subir les outrages. Eh bien, en bataille qui était livrée, Israël et pays Philistéens. Eh bien, il y a la guerre David, il y a la guerre Saül à terre. Mais même les Jonathan, il y a la guerre Jonathan, il y a la guerre Saül à terre. Et même les Jonathan mouri, David, tu es toujours gagné en mémoire. Tu as une alliance qui a été faite. Donc, c'est ça que fait dit matin. L'on fait une promesse, pas battre pour oublier. Eh bien, dans chaque famille, tout toujours une promesse qui fait. Et c'est ça qui fait que moi-même, à l'heure, même au milieu de l'église là, le Seigneur dit que c'est pour nous vivre ensemble. Donc c'est-à-dire que si nous vivons ensemble, c'est que nous soudons. Si vos bagages qui soudent nous, sont en alliance que nous avons ensemble. Youn pour supporter l'autre, youn capable ou alors l'autre dans le problème, nous supporter. Youn pas de faire hypocrisie avec l'autre. Youn pas de marcher mal et penser mal envers l'autre. Donc pour nous avons une route que nous avons fait ensemble parce que l'église là, c'est l'unité. Nous dit l'alliance conclue par David et Jonathan, ne liait pas seulement David, mais la maison de David. Et c'est ça qui fait que même là, ouais, Jonathan mourit, David dit, me songez. Eh bien, Jonathan qui était en mine, non. Il te dit, pas chamblier. Et de même dans chaque famille, il y a là son grain petit, il y a là ses deux petites qui peuvent avancer, il y a là ses autres qui possibilités. Eh bien, parents disent, un tel, avant de mourir, donc pas oublier tes foyers, pas oublier tes soyons. Donc, et parole ça, il y a quand même toujours, je conseille à chaque parent dans un moment ça, toujours parler à Timounio. Pas arrêter bouche fermée. Même les anglais n'ont pas pour nous. Je connais un pile dans nous qui parle anglais, c'est vrai. Mais toujours parler à jeunes, surtout petit nous. Pour être capable toujours souder une à l'autre. Pour yon carrément l'autre. Même si parent mourit, c'est qu'on salte toujours. Ça, plus grand, toujours penser à ça derrière. Mais à cause le monde a fini, nous voyons que
homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Nous perdu tradition ça. Mais l'église pas ka comme ça, famille chrétienne pas ka comme ça. Et bien nous Jonas et David. Bon Dieu t'a vienne faire loi. M'a dit que les bon Dieu fait une promesse. Regardez, marcher suivant les préceptes de l'évangile. Garder conscience claire. Étant donné des promesses qui conditionnelles, mais pour David vinoir, David pas de payer bon Dieu, c'est quoi? Bon Dieu ben nous l'église là. C'est une promesse inconditionnelle pour David vinoir. Mais à côté des promesses conditionnelles, il y a des promesses inconditionnelles. Des promesses conditionnelles. Promesses conditionnelles là, il dit que si on garde les commandements, si on marche suivant les préceptes, eh bien, ton nom pas jamais manquer un petit David. Donc c'est ça qui fait que moi-même, à l'heure, promesse, bon Dieu, certaine et véritable, David Vinois, il dit que Saül, ton adversaire, Saül tombe mourir, Jonathan tombe mourir, mais il y a un monde qui te relève. Mephibosheth, c'était petit Jonathan. Et c'est ça qui fait David chercher pour le connaître. Est-ce que dans la famille, ça a eu pas de monde qui était? Il dit qu'il y a un qui était. Ça, c'est un homme ça, qui était tombé pendant que David était dans la guerre avec papa. Eh bien, il était tombé. Donc, madame, non, petite, là, t'es saute tombé dans. Non, même. Eh bien, deux pieds. T'es cassé. Ça permet que deux pieds. Bon, en tout cas. Mais Mephibosheth, deux pieds, ils ont boiteux qui est donc ils ont un handicap dans deux pieds. Donc ils étaient tombés. Mais ça montre que David, longtemps pour venir à la caille, pour manger sous ta bois, eh bien, ça m'a dit, il n'est pas facile. Parce que roi a un principe. Mais nous, Mephibosheth, côté le théâtre, eh bien, David, vous allez chercher justement pour dire que, eh bien, nous avons dette pour nous payer. Mon dette que je vais payer, c'est parce que j'ai une promesse que j'ai fait à papa. J'ai une alliance qui t'a unie. Parce que c'est ça que fait moi-même à elle. Là, nous venons convertir tout. C'est pour nous connaître toutes les bagailles que nous avons pensé. Eh bien, nous sentons que le Saint-Esprit n'est pas d'accord, bon Dieu n'est pas d'accord, nous devons jeter l'eau. C'est pour que vraiment quitter le Saint-Esprit œuvre dans la vie. Et c'est ça que fait moi toujours dire ça, quel que soit quand on apparaît, depuis son serviteur, mon Dieu, où il est. Regardez, lumière, cet esprit briller pour faire que tout le monde connaisse son serviteur, mon Dieu. Mon Dieu, bien nous, l'église là. Donc, moi-même, m'exhortez-nous, m'encouragez-nous, justement, trajectoire d'Arid là, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui disent, mon Dieu, qu'on est. Où elle allait dans Bathsheba, madame Yuri, il n'y a pas dit, mon Dieu, qu'on est. Il demandait, mon Dieu, pardon. Il fait un paquet de bagages qui passe, il demandait, mon Dieu, pardon. Je ne peux pas parler de David, tu es parfait, bah David était un péché. Mais il était qu'un peu promesse envers Jonathan. Et bien, l'amitié était profonde. L'amitié était saine. Donc, même les Jonathan mourit, David n'a pas oublié petit lit. Et c'est ça qui fait. Mephibosheth, tu es les têtes lit. On allait dans 2 Samuel chapitre 9 pour nous voir comment que. Il y a des façons qu'on y est. Et la femme te dit que bon Dieu, que des mondes, bon Dieu, sont-ils loin à elle. Là, bon Dieu sorti loin à rien comme ça. Regardez, bon Dieu, pas une seconde. Il n'a pas hésité. Moun sa que il prend loin pour le piler le dos. Et après, là, bon Dieu sorti loin à rien. Regardez, il faut marcher droit devant mon Dieu. Même si tout le monde a fait ça, vous voulez, mais ou même, ou pas capable de faire ça, vous voulez dans l'évangile. Donc, David était consistant à l'éternel. Et dans des réponses, ma fille Bochette. Et David dit, ne crains pas, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et c'est ça qui fait songer, ça me te dit, non? Il y a des fois, dans l'état qu'on y est, où tu es, où est qu'on y a là, Jésus. Regardez, bon Dieu, mets-toi parmi les gens sauvés. C'est chaque jour, regardez, c'est pour ta baille, bon Dieu, gloire. C'est pour ta faire corps content. Mais comme l'homme toujours est satisfait. Quelque chose ça, bon Dieu, fait pour vous, bon Dieu, pas jamais faire rien. Bon Dieu, ben nous l'église là. Levez, levez matin, on respire. Il y a des gens qui ont une douleur qui ne peuvent pas sortir dans le cabanon. Levez, levez, marchez, vite l'église là.
gen moun si yo te gen des yeux pou yo ta vin adorer bon Dieu ensemble avec nous, yo ta pwè c'est pi gros merveille pou yo dans la vie yo. Mais l'homme quelque chose ça bon Dieu fait, il toujours dit bon Dieu manque fait. Bon Dieu doit faire toujours. C'est pour dire bon Dieu fait assez. Et c'est ça que fait me dire que pour côté bon Dieu sorti à rien. Pour côté sorti à rien. Moun qu'il foyer. Donc chaque jour, c'est pour t'enlever des mots en l'air. Dis bon Dieu merci. Bye gloire. Parce que quelqu'un moun, pour l'homme, moi-même, malé, Miami, Fort Myers, West Palm Beach, ici. Franchement, l'aime garder tête, moi, si je ne suis pas de bon Dieu dans la vie, je ne suis pas de mourir tout. Bon Dieu, ben nous l'église là. Ça proche, moi, pour mourir encore. Mais on sait le bagage. Depuis, Dieu, bon Dieu, sur vous, regardez, ennemi n'est pas capable de faire retourner dans la terre. Mon Dieu, ben nous, c'est là mon Dieu plaît pour tourner dans la terre. Et c'est ça qui fait qu'on est David, tout parcours, c'est ton parcours qui douce. Et c'est ça qui fait là mon Dieu a fait route ailleurs. C'est pas route qu'on voulait pour faire, mais c'est route mon Dieu voulait faire avant là. Amen, l'église. Donc, David, eh bien, il était toujours connu que, quelle que soit la route difficile, regardez, bon Dieu s'est enseigné, l'a enseigné. Bon Dieu s'est formé, l'a formé. Il y a des positions, mon Dieu, pour le métro. Regardez, même si Mounda sorti pour détruire, même si Mounda sorti pour éliminer, même si Mounda dit que vous ne pouvez jamais rien, mais tout ça que, regardez, ça permet que connaissance augmente, ça permet que connaissance vienne plus, ça permet que vous venez plus maturité, ça permet que bon Dieu fait ça, la faire dans GNM, plus vite. Bon Dieu, ben nous l'église ça. Donc, restez ferme dans le Seigneur pour ne pas avoir de croyance. Moun en Haïti surtout. Je te dis que l'homme est dans le monde. Je ne sais pas connaître qui est mon Dieu. Je ne sais pas connaître servir mon Dieu comment le payer. L'autre est dans le monde, je ne sais pas connaître comment servir mon Dieu. Mais l'homme qui a accepté Jésus comme seul maître et sauveur, ou comme bon Dieu l'a salué, mentalité, vient toute petite mentalité, il faut ressortir. Et c'est ça que fait ma terme, nous pas besoin de plaigner pour savoir écrivez parce que bon Dieu en contrôle. Bon Dieu, ben nous l'église là. Bon Dieu veut nous l'église. Amen. Donc c'est pour nous faire qu'elle nous content la caille, mon Dieu. L'évangile, nous prêchons l'évangile, c'est vrai. Mais c'est pour nous vivre de par l'évangile. C'est pour nous dire, oui, mon Dieu, nous connaissons exister. Oui, mon Dieu, nous connaissons réel. Oui, mon Dieu, nous connaissons qu'à faire. Oui, mon Dieu, nous connaissons capable de prendre défense. Nous. Oui, mon Dieu, nous connaissons capable de camper pour nous. Parce que, ou pas seulement t'es fait pour tant de serviteurs dans tant longtemps, mais moi-même, je vous dis, moi, son serviteur. Bon Dieu veut nous l'église. Donc ça montre que David, eh bien, te relé, mes fibochettes, tout terre, grand-papa te gagne, il fait travail. Yo. Eh bien, mes fibochettes, elle mange sous table. La caille. Moi-même, à elle, que bon Dieu prend loin. Que bon Dieu prend loin. Livine mette nous là. La cherche nous. L'irélé nous. Des mouns effort pas capable de faire servir mon Dieu. Effort pas capable de faire servir mon Dieu. Il y a un pile de monde qui a cherché Satan, mais c'est pour bon et pour malheur. Ils ont cherché Satan, ils ont cherché Jab, ils ont cherché toute bagaille, mais Jab a mangé. Pour qui ça, Jab a mangé. Ils mettent dans l'église. De pour ne pas faire volonté, mon Dieu, ils ont cherché Jab, Jab a mangé. Mon Dieu, veut nous l'église là. Donc c'est pour toujours faire volonté, mon Dieu, rester dans le pied, mon Dieu. C'est ça que fait Paul dit que, eh bien, pour Kabou, mon Dieu, c'est vrai. Mais, elle est mise en détour. Et c'est ça qui fait que moi-même, à elle, en nous conduit bat nous bien. Nous dit que les relais, mes fibochettes, c'est même Jean bon Dieu relais, non. Et il te dit à Discipio, dans Jean 15, 16, il dit, monsieur, nous pas besoin de gourmet. Pas gourmet. Pas gens qui te monde divisé, non. Et c'est ça qui fait nous battre pour nous grandir en maturité. Tout autant garder conscience ou clair, bon Dieu a fait route à elle. Bon Dieu a fait route à elle. Moi, je me dis toute vieille manie que je me demande, bon Dieu, pour me retirer. Toute hypocrisie que je me demande mon Dieu pour me retirer. Parce que bouche pas n'est pas fait pour me dire rien mal de monde. Bouche pas pensez pas de penser mal de monde. Pensez pas de penser bien pour un monde. Quel que soit le monde qui aide mon là, faut penser bien pour lui. Et quoi que Jonathan mourir, mais David te dit, je ne le dis ou à manger sous table à elle. Ou même qu'à servir mon Dieu. Qui moun koye devant le Seigneur? Côté mon Dieu point, côté le métro, parce que l'évangile m'a suivi là son évangile comme si de arrière-plan. Comment
comme si on dirait que les gens qui sont dans le monde capable de progresser plus que les gens qui ont servi le Seigneur. Non! La montée est bon, c'est comme si nous sommes capables de ou subir une transformation ou métamorphoser. C'est pour dire que nous sommes hier, ce n'est pas même nous qui sommes aujourd'hui. Mon Dieu, mais nous l'église. Donc, pas quitter personne minimiser. Pas quitter personne minimiser. Dit ah, ou pas qu'à rien, non? Si, pas qu'à rien, regardez, serviteur, mon Dieu, David, pas tape rien. Et tant de serviteurs encore, il pas tape rien. Et matin, serviteur a fait une leçon pour montrer que même nous qui sommes avec la à prêcher et à enseigner les gens qui font doctorat, les grands sacrificateurs, les grands scribes, hommes de la loi. Regardez, des bouquets, mon Dieu, regardez, pas quitter personne pour mettre la peine en haut. Mon Dieu, ben nous l'église, pas quitter personne pour nous pas rien. Pas quitter personne pour nous décourager. C'est pour dire avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est ça qui est important. Et choisis la bonne voie. Donc, nous ne pouvons pas prier sans action. Si par exemple, pour le président d'Haïti, ou bien pour nos positions privilégiées, qui ça? Il faut payer prix à vous, petit. Pas vrai? Vous mettez dans une bonne école, ou bien formé. Donc, vous espérez, avec l'aide de la prière, bon Dieu, Kembel, mais ou même tout, vous faites sacrifice. Quand des fois, vous n'avez pas de possibilité. Mais vous mettez dans une bonne école pour former, demain pour yon moun. Ça, c'est. Tout simplement, c'est la vie en chrétien. De même, en chrétien, je n'ai pas de travail. Premier bagage, je dis à l'église là, priez pour moi pour me jouer mon travail. Et là, je vais travailler là pour me prendre le corps. Mais si je ne travaille pas, je ne vais pas prendre le corps. Donc, ça montre que, et même tout me planter, si je me plante, je vais demander à mon Dieu pour faire la pluie tomber. Donc, si la pluie tombe, je vais prendre le corps. Donc, ou même qui chrétien, pas minimiser tes doutes pour rien. Côté mon Dieu, relo là, regardez, ou qu'on qui c'est lui relo. Il dit, Jésus a dit disciple dans Jean 15 verset 16, ce n'est pas moi qui m'avais qui ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça montre que c'est Jésus qui t'a choisi disciple, c'est pas disciple qui t'a choisi Jésus. Côté est là, c'est même Jean Mephi Bochette, il pas d'espérance et de bagaille. Mais bon Dieu, regardez, à travers l'omniscience, non. Non, façon que bon Dieu remet nous, regardez, il remet nous, regardez, c'est comme si nous étions dans un pays bien loin. Mais bon Dieu remet nous, il mettait nous plus pour elle. Pour qui ça m'a crié, pour qui ça m'a plaint. Je ne vais pas servir un grand Dieu comme ça. Regardez, même là que je fais route là capable, difficile, c'est vrai. Il y a maladie là-dedans, il y a un coup de poudre là-dedans, il y a parler mal là-dedans. C'est-à-dire, vous êtes tout opposant. Même les David est un tout opposant. Mais qui sont répondus? Quand ils devaient arriver à là, ils arrivaient quand même. Jésus est un pile opposant. Mais il était en route qu'il était fait avec Jésus. Satan pensait qu'il était en bataille là. Et après 3 jours, regardez, Jésus levé, bien vivant. C'est pour dire matin, Jésus là, il est vivant. Jésus là, il est réel. Parce que bataille là, c'est dans la même que lié. Et au même matin, qui là, faut qu'on ait que même Jean-Mephibosheth, eh bien, David Terrelel lui rassurer pour manger la carne. Il enrichit en façon. De même, tout bon Dieu est lui enrichit en façon. Il enrichit parce que il dit lui-même qu'il est riche, il fait pauvre pour qu'il riche. Et là, allez dans l'autre verset, il dit que pour montrer que maladie, donc. Ils ont déjà guéri déjà. C'est ça qui fait toute bagaille que chrétien gagne ou paraît mal sous la voix. Dites bagaille ça que moi je dis à nos yeux, les passagers, ils pas là pour longtemps. Et pour terminer, et nous devons que Mephibosheth est un membre de la famille à la table du roi. Et dans 1 Pierre chapitre 2, il dit vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation. Saint, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Puis grande mission, la grande commission que nous avons sous terre, eh bien, même les que vous parlez un évangéliste, même les copains un pasteur, même les copains un docteur sous la dent tout, ok, mais mission par non, c'est pas les lots qui dit, mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Et maintenant, nous souhaitons que vous-même, qui t'attendez, ou même qui connaît qui moun koye dans le Seigneur, ou même qui connaît que on parole côté parler, pas battre oublier, qu'aime promesse,
Et grand pile monde qui toujours oublié, même Darren mon fidèle, même Jacques David, qui était kembe parole pour Jonathan, même le Jonathan mourit, mais petite là, regardez, il levé. Nous même tout qui était perdu, en Jésus, nous reprendre route que le Seigneur fait avec nous. Parce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2 pour terminer, Éphésiens chapitre 2 verset 6-7. Tendez ça le Seigneur dit, pour nous terminer. Éphésiens chapitre 2 verset 6-7. On va y avoir position Paul en tant que chrétien pour qu'on ait effectivement qui moun koyé. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 verset 6-7, il dit il nous a ressuscité ensemble, ça c'est Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble dans la lieu céleste en Christ, moi-même à l'air. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grandeur par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais toutes les versets qui sont toujours utilisées, ça veut dire que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. That's it. Mbamba, il y a un problème avec ça. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais ratio cochita dans les lieux célestes en Christ. Ou même qui part en rien, Jésus les vaut, lui fort quelque chose. Et nous pensons que dans la grâce, mon Dieu, même les avant, mon côté, dit ou pas mon ça encore. On nous était, qu'un bé femme dans la parole, toujours dit bon Dieu, moi je voulais marcher à rien, toujours été dans la prière, toujours été dans l'obéissance de la parole de Dieu, pour que promesse bon Dieu, comme David, capable d'accomplir. Alliance qui a été faite avec mes filles, je ne sais pas qu'on est qui sont dédiés aux frères, on sort. Qui sont dédiés à un monde quelconque. Mais toujours songer, même si que monde ça pas là, mais toujours connaît parole côté dit avec. Et même si monde ça ta là tout, toujours songer qui contrat, qui alliance qu'on prend avec. Ou même qui cap fixé yeux, cap garder nous. Ou même cap tendre nous à travers le monde. Et nous croyons que profondeur grâce bon Dieu sous la vie nous. Donc ces bagailles pour ne pas arrêter bouche bée. Même gens dans le somme 100. Servi bon Dieu avec joie. Venez en sa présence avec allégresse. Gardez, pas quitter personne, nous mettez que sauter là-haut. Pas quitter personne, nous mettez la paix. Parce que Jésus bon la paix. Jésus bon la paix. Jésus bon la paix. Il dit fado reporter, c'est pour fado qui loue, son fado qui léger. Apprendre vivre avec foi, apprendre vivre avec soeur, pour nous capables d'être unis, pour nous capables de faire route pour belle pays ici. Que bon Dieu bénisse nos églises.